Donc la consistance des travaux sur ce chantier est de l'ordre de 15 km de renouvellement RVB avec plusieurs méthodologies différentes. Alors pour le week-end, on est mobilisé environ 60 personnes et en termes d'engins, on mobilise deux bourreuses, deux régaleuses et deux stabs. La condition de travailler en week-end, c'est qu'on a deux PN qu'on ne peut pas fermer en semaine. Et là, c'est pendant la période de vacances, du coup, on profite de ces fermetures pour renouveler ces voies. La mesure de sécurité mise en place, c'est une bonne programmation la veille, justement avec la SNCF. Et tout ça, c'est relayé à nos chefs de chantier qui, eux, relayent à leurs chefs d'équipe lors du briefing. La préparation, c'est 90% de notre réussite. Ici, nous sommes sur une phase de nivellement complémentaire, donc dite NC. L'objectif de cette phase est de pouvoir régler la géométrie de la voie, donc en jouant sur deux paramètres. Le premier, c'est le dressage de la voie, et le deuxième paramètre, c'est le nivellement longitudinal et le nivellement transversal. Et durant cette phase de NC, on relève la voie jusqu'à maximum 20 mm. On travaille avec des équipes de Eurovia qu'on connaît bien, donc on est sur un chantier qui est 100% Vinci Construction. C'est des équipes avec lesquelles on a l'habitude de travailler en synergie pour réaliser cette jonction en enrobé entre la voie ferrée et la route. Pour réussir cette opération, on avait besoin de plusieurs interlocuteurs, soit chez ETF, notamment Fairway, ETF Service, ETF Caténaire pour le perchage, le réglage caténaire, et puis ainsi une filiale d'Eurovia qui est l'Essor, qui est venue nous faire la maçonnerie et puis l'assainissement, et puis faire les enrobés pour qu'on puisse ouvrir le passage à niveau pour lundi matin. Le week-end, c'est très bien déroulé. Là, il reste environ 3 heures. Il reste encore à finir ce PN, faire les enrobés. Et puis, on va ouvrir ce passage à niveau pour la circulation routière.